Ça marche. Petit champ de bataille. Ouais, petit champ de bataille. Donc un terrain assez serré. Je vais permettre voilà, à la feuille de trouver peut-être la première ouverture, enfin plus que ça, mais on va reculer et on va créer d'ailleurs le plus possible tout la chope, peut-être le coup. Ok, les deux joueurs commencent déjà à s'installer, ça se sont un tout petit peu autour. Vous voyez vraiment ce jeu où on a l'humain en plein milieu et t'as la feuille qui va mettre ses petits backers. Dès qu'il approche la pensée, il se fait finir. A voir s'il va pas un peu changer de gameplay. Ah. Cal arrive à garder son avantage. Léger avantage en pourcent, faut faire attention. Le luma a disparu, ça laisse beaucoup plus. Ah, il réapparaît déjà. Ça va assez vite, hein. Le luma il ressort quand même assez vite. Pour l'instant, ouais, c'est très très even. Voilà, joli combo luma in tonnerre, c'est très propre. Voilà, fini up smash, par up smash. Voilà, et pour dans pendant. Ouais, les combos. Hein. Ouais, ah, ça fait des smashs. Mais bon, ça sera Rosena qui gagne l'interaction. Pour l'instant, on a un Mokal qui est vraiment, vraiment solide sur les fondats. On a la porte de la limite break qui est sortie, hein. Kao qui l'a très fort avec ses limites. Ça tape dans le vide, ah, il passe au-dessus du luma, il se prend pas le bi. Là, le ledge trap de Kao qui est très fort, on trouve le FT, ça pourrait peut-être permettre de conclure la stock ici. Un bon avantage, ah non, qui est rompu par Roselina, qui met un smash avec le luma, c'est terrifiant. Ouais, ce luma là qui peut taper comme ça, comme une marionnette, ça marche très bien. On prend l'avantage, est-ce qu'il arrivera un peu à gratter avant de se prendre la première stock ou le ledge trap va être fatal pour lui, on ne sait pas encore. Forwarder, on se fait reverse. Voilà, faut aussi trouver la stock, peut-être de la feuille. La feuille va vraiment devoir apprendre à regarder le luma et Harmony, car ce sont deux armes qui sont très 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 fortes quand elles sont bien jouées ensemble. Qu'elle arrive à bien maîtriser ça. Ouais, on trouve la tâche-là en tout frame, très très propre la fin de la feuille. Très propre. Okay. On l'a dit, c'était un peu exploitable comme recovery, un atelier qui est connu, donc là il le fait très très bien, c'est pas simple à faire. Donc bien vu à lui, et on trouve la limite, et peut-être des dégâts en plus. Alors, la feuille, oui, repasse devant niveau pourcentage, un peu. Ouais, c'est vraiment il n'y a rien à dire. On cherche les phases avantage, on trouve le F-Smash. Oh. Cloud qui s'impose avec un gros F-Smash. Ok. La fin de dash attack n'est pas passée, la fin, c'est reverse, attention le juggle, ça peut faire très dur. En de donner à Brooklyn d'un gros CP, ça permet de vraiment casser ce jeu et de reprendre le terrain, de reprendre l'avantage, de reprendre la phase d'avantage, de reprendre le shrap. Ici on essaie de s'extirper de cette situation difficile, c'est un peu compliqué. Le smash qui est dans, t'es puni par un tilt, ça stack de plus. Ok. Un petit truc qui met fin à cette interaction. Oh, oh, ça c'était beau, c'était très beau. 0-0. Ah, le match est vraiment très even, les deux arrivent à trouver des belles phases. Qui arrivera à dominer? Pour l'instant, c'est le Cloud qui arrive à imposer ses dégâts et à dégager le luma. Ouais, c'est vraiment très très close pour l'instant. On se demande vraiment qui va pouvoir creuser l'avantage. Maintenant, c'est vraiment le cross-flash de la feuille qui arrive à mettre des dégâts en plus, tu l'as dit. Hein. Il trouve les phases et Cal qui a un peu de mal. Prendre le F-Smash, ça pourrait ouvrir quelque chose peut-être. L'apparition du luma permet à Cal de retrouver tout son potentiel, à augmenter les pourcents. Attention, situation dangereuse, mais qui sera parfait. Oh mon dieu! Ouais. Et ça s'est fini sur cette belle action, félicitations. Très très propre, première game vraiment intéressante. Ouais, très belle game, hein. Franchement c'est des matchups qu'on retrouve pas tout le temps et c'est beau à voir. C'est très beau. Ouais, le niveau de jeu est vraiment pas si bas, c'est cool. Allez, mais c'est beau, c'est serré. Montre lui. En plus il y a du public. Ouais, ouais, le public est en délire, ça fait plaisir. Pokémon Stadium 2, on part plus de place, moins d'edge guard, peut-être mieux effectivement. Les joueurs ont déjà décidé, ça se lance sur un terrain très semblable, est-ce que tu vois les différences entre les deux? Alors ouais, c'est comme c'est plus grand, ouais. Il a moins super edge guard pour moi. Il va, en fait je pense qu'il a senti qu'il avait plus de mal au cac, parce qu'il se faisait beaucoup punir par les chefs. Je pense que c'est une bonne idée pour le coup. Et en même temps, il pourra aussi abuser de son juggle d'une certaine manière parce qu'il y a moins de matériel pour l'aide. Donc je pense que c'est une bonne idée. A voir si ça suffit à faire la différence ou pas. Mais, ah, mais avec un mode aux couleurs du kill throw. Ouais, complètement. Ah, ok, c'est reparti. Les deux joueurs se lancent dans la game. Kal impose un respect, une rigueur qui met 37% au cloud. Bon. Ouais, là, Kal qui a une belle phase d'avantage. C'est la feuille qui répond avec ses petits power d'air. Après, ouais, voilà, en désavantage, j'étais quand même beaucoup à voir. On dort un peu sur ce d'air, c'est un peu dommage. On sent que les deux joueurs font des tas. Ils mettent des pourcents l'un après l'autre efficaces, ce qui les rend vraiment très even. Ouais, maintenant c'est encore super even comme la game précédente. On va trouver cette tech chase, on trouve le second forward air. Ça pourrait finir avec un troisième forward air. Il y a plus de saut, okay. Tu l'as dit. C'est compliqué sans saut, dans l'air. Ah, ça passe que malheureux. Ça passe, heureusement. Très haut timing, et par contre, ouais, finition dans l'air, okay. C'est la stock. La stock est donc partie. Cloud va devoir rattraper son léger retard.
rien n'est lancé. Ouh, plus de saut, le Luma, terrible. Magnifique. Oh, le joueur au basket direct. C'est un 2-0 qui est félicité par. J'avais jamais vu ça en vrai. Ah, je quitte. Ok. C'est. Le rush kit, bon bah ça arrive. Hein. Ouais, bah ouais, bah c'est bien. Hein. C'était.